sont très courtoises, très respectueuses, mais chercher à comprendre pour qui ça y a indexé certains ministres, certains contrats, etc. Nous n'avons pas eu toute explication et tous différents collègues qui étaient là. Et nous étions bien contents que pendant que nous étions là comme premier ministre et ministre du plan, nous avons l'autre collègue qui fait partie du gouvernement qui était là en même temps. Donc nous étions en discussion plus constructive parce que des fois, le premier ministre, mais des fois c'est le ministre des Finances qui peut avoir une bonne explication. Rapport à tout ça, t'es bien. Exactement, le ministère de la République était là tout. Donc ça veut dire, moi, je suis venu en secrétaire général de l'époque. Donc nous avons toute explication que nous ne pouvons pas quitter aucun bail en l'air. Et nous pensons que la commission est édifiée. Nous avons besoin de conclusion. Nous étions à disposition de la commission. Il dit qu'éventuellement, il a fait appel à nous encore. Et chaque fois qu'il a pris nous, même ses positions, PAM, on va dire que rapport à tout ça, tu as été les gestion, comme nous, et suggestion, tu as des contrats, beaucoup de contrats vraiment qui étaient signés de gré à gré. Bon, oui, tu as des contrats de gré à gré, c'est pour ça que tu as une loi d'urgence, pour que tu aies fait avancer une série de bagailles. Donc, on y a le Parlement voté une loi pour mon autorisation, faire une série de bagailles, puis qu'on a dit, pas pour faire des bagailles. Vous estimez que vous avez parlé de. Vous avez recevoir plusieurs millions dans comme ristourne dans mes films dominicains par rapport avec les commissions. Parlez d'un rapport à la torture. En général, je ne parle pas de rapport à la torture, ce rapport d'une commission éthique, mais c'est l'équipe des commissions. Ce rapport en commission sénatoriale. Une commission qui dit si je me campe et puis je me dis ou toucher le discours, je pense qu'il ne faut pas faire spéculation. Son premier ministre, son commission sénatoriale qui l'a, son institution. Il y a un minimum de preuves pour bail, ou pas qu'à ce juste suspect, parce que comme si il y a pour un pile cop, donc il faut me faire cop. Donc, dans le pays, il y a besoin d'un problème moral. Nous nous dit, oh, tu signes pour 20 millions de dollars, ou pas qu'à dire que je ne vais pas faire cop. Il y a une conscience là, quand même, qui a guidé nous, et une conscience très tranquille. Vous avez la conscience tranquille, monsieur. Moi-même, je dormis bien chaque soir. Et je me suis continuer bien, dormir bien chaque soir, je me suis madame, petite, moi, qui dormi bien chaque soir. Dans le cadre de Petro-Caribé, il y a pile monde que le rapport sénateur Yuri l'a tout de suite indexé, qui est d'accord et que reproche ou adressé à eux-mêmes, d'après eux-mêmes, n'est pas fondé. Et nous avons une chance pour nous entendre pour que nous capable de permettre que nous fassions lumière sur le point d'ombre. Et nous-mêmes, en tant que commission qui a mandat pour nous approfondir, analyser, nous questionner autour de suggestions. Par exemple, si nous prenons Jean-Marc Belrive, ou ancien premier ministre, il y a trois résolutions qui te prennent sous lui. Il y a des projets qui étaient faits. C'est une période d'urgence. Donc, c'est tout à fait normal. Si on a géré l'État, il y a une responsabilité pour que nous venions rendre compte. Et nous-mêmes, en tant que pouvoir de contrôle, il faut que nous portions information à la population. D'où nous bien contents que tout le monde réponde à rendez-vous. C'est de manière à ce que nous venions éclaircir ça qui doit éclaircir. Mais au même tout, il y a besoin de porter des lumières par rapport à ce qui est dit sur nous. Mais nous-mêmes, nous continuons à enquêter nous. Et que collègues fidèles au rendez-vous, merci à la presse qui est fidèle au rendez-vous, dans son suspense quand même. Ce n'est pas que nous venons là, nous tendons acteurs, nous prenons papier dans la main, nous venons avec des preuves pour justifier que des pensions sont bien faites et que nous comprenons que c'est fini. Non, nous avons des informations, pas nous tous que nous avons cherché, nous avons des informations de terrain parce que l'argent dépensé, le projet doit être visible. Et plus près de nous, grand pile projet qui fait que soit dans l'Ouest, qui fait la Camouin. Qui fait dans tout département dans le pays, qui fait la caisse sénateur, s'il dort dans le sud, qui fait dans NIP, nous tendons tout le monde. Et nous disons tout le monde qui est venu là, nous enregistrons tout le monde qui parlait, bien que si on ne soit pas public. C'est que la caméra nous branche pour nous assurer nous que nous enregistrons tout le monde. Tout le monde sous tape, tout le monde vidéographié, de façon à ce que demain, les rapports sortent pour personne ne pas dit que. Ce n'est pas ça que tu dis. Sénateur. Nous avons mené la presse souterrain, tout le monde va vérifier le projet. C'est de manière à ce que les résultats de l'enquête nous ont fini. Pour ne pas dire que tu dis qu'un projet qui fait X, tel côté, et que ce n'est pas ça que tu dis. La presse laisse ça à la presse publique. Nous avons dit, mais ça que nous avons gagné dans le rapport là, mais ça que tu dis nous, et puis le résultat nous avons fait ensemble. Première résolution qui te prend pour un montant de 163 millions de dollars. Bon, deuxième résolution pour 107 millions de dollars. Bon, troisième pour 108 millions de dollars. Ça veut dire, en d'autres termes, ces résolutions, ça y est, ça finance une série de projets, environ une trentaine de projets. Et bien là, dans tout, le Premier ministre Belrive dit, ce n'est pas l'administration par là qui est en train d'exécuter. C'est-à-dire, dernière résolution probablement,
c'est de l'autre administration qui exécute des cas de résolution ça, en termes de passation de marché et faire des contrats. Mais dans tout ça, il y a une notion qui est extrêmement importante pour nous, c'est l'engagement. C'est qui dans quelle période vous prenez l'engagement? Est-ce que l'engagement vous prenez dans la période d'urgence ou bien c'est après l'urgence? Et il y a l'autre préoccupation qui nous commence à découvrir, sénateur. On dit ça. Par exemple, il y a une pile de déclarations qui sont contradictoires. Ça veut dire à partir des déclarations, ça, pour nous-mêmes, enquête noire marche assez bien.